Avec au moins un feu de tôle chacun, ses fils Bamendjou amorcent une descente vers la chefferie supérieure, lançant des cris à la gloire de leur faux. Il s'agit là du rituel Ndeuk à travers lequel ces hommes, tous de la même tranche d'âge, annoncent aux faux qu'ils ont atteint la maturité. Mais pour qu'ils soient reconnus comme tels, ils doivent encore réaliser d'autres tâches qui leur sont confiées par le faux. Toute cette génération est venue déclarer aux chefs qu'ils sont devenus grands, qu'ils peuvent déjà payer leurs impôts, qu'ils sont devenus des grands. Et comme ils ont déposé le bois à la chefferie, maintenant j'étais en train de les confier un travail d'intérêt commun, c'est-à-dire la construction de la maison de Tamtam au marché. Et ils vont la construire. Et ça, après avoir construit, qu'ils vont venir dire au chef qu'ils ont fini de construire. Et le chef va leur donner un travail à effectuer au palais. Et après ce travail, ils vont venir maintenant prendre le tamtam pour aller faire la fête parce qu'ils sont devenus grands. Dans la tradition Bamendjou, le rituel Ndeuk revêt une très grande importance. Ça nous enseigne l'humilité. Vous regardez un peu comment nous sommes tous vêtus. On ne sait pas qui est qui. Nous sommes tous égaux. Et donc, ça nous enseigne l'humilité, le respect des droits d'aînesse, parce que ceux qui nous ont introduits, ce sont nos parents, nos pères qui nous ont précédés sur le sentier de ce rituel. Et donc, au-delà de ça, comme j'ai dit, vraiment, ça nous apprend à être, à vivre ensemble, comme j'ai dit. C'est surtout le rassemblement de la population, tel que vous aviez vu. Et l'initiative de nos ancêtres était pour le bien de toute la population et non pour le bien de quelques-uns. Regrettant que Bamendjou soit le seul village de la région de l'Ouest à avoir conservé cette pratique séculaire, Sa Majesté Sokoudjou invite ses pères à la restaurer. Nous savons que le métier de tout ça existe dans tous les chefferies de l'Ouest. Pourquoi ne pas la reprendre pour l'intérêt, le rassemblement des populations? Je demande donc, même à tous mes collègues, de reprendre, que ce soit le Ndeuk, car son objectif était de rassembler la population telle que vous aviez vu. À l'époque à printemps, les membres du clan venant annoncer aux faux qu'ils sont devenus grands avaient chacun un fagot de bois. Aujourd'hui, cela est troqué avec une feuille de tôle pour la construction de la chefferie. Rola Jitono. Rola Jiton Samo.